Parmi toutes les idées qu'on se fait sur l'art, il y a celle qui voit une entreprise de guérison. La création artistique comme façon de réparer ce qui est brisé. De retrouver l'équilibre. C'est une idée noble. Mais aujourd'hui, dans notre monde où on se préoccupe davantage de la valeur marchande d'une œuvre que de son sens, dans notre monde où on évalue la pertinence de l'artiste à sa présence dans les médias aux heures de grande écoute, dans notre monde où on passe moins de temps à regarder un tableau qu'à lire les discours qui l'expliquent. Aujourd'hui, dans ce monde parsemé de débris qu'est le nôtre, l'art nous sert ou nous perd.